matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 2 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Eh bien, pour terminer cette semaine, j'ai pigé en quête de sens. Pourquoi vivez-vous sur Terre? Très bonne question. Quel est le sens de votre vie? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions essentielles? Avez-vous l'impression d'être là ou la seule dans votre entourage à vous poser ces questions? Alors vous savez, votre vibration énergétique est unique. Vous êtes là pour apprendre. Apprendre à vous rapprocher de qui vous êtes et à faire vibrer cette belle énergie sur Terre. Vous êtes ici pour évoluer et incarner pleinement qui vous êtes. Continuez d'apprendre à vous connaître, petit à petit, pas à pas, grâce, eh bien, tout simplement à vos expériences. Faites plus de pauses pour vous rapprocher de vous-même. Et puis, avancez sur votre chemin de vie en suivant votre joie de vivre. Osez suivre vos intuitions en acceptant de faire, eh bien, des erreurs, parce que nous ne sommes pas des anges, vous n'êtes pas des anges. Vous êtes un humain qui expérimentez ici sur Terre. Avec les qualités que vous avez. Mais c'est normal qu'en expérimentant, il y a des erreurs que vous faites. Comme vous apprenez en permanence, eh bien, soyez bienveillant envers vous-même et transformez ce que vous vivez comme des échecs en des occasions d'apprentissage. Parce que, en eux-mêmes, ce ne sont pas des échecs. Oui, c'est un échec, mais ce n'est pas un échec parce que vous avez appris. Donc, ça vous fait grandir. Vous apprenez. Dans les échecs, on apprend. Évidemment, c'est un échec. C'est notre ego qui n'accepte pas cet échec. Mais on apprend. Ce sont des erreurs que on ne fera plus. D'où l'apprentissage, n'est-ce pas? Alors dans l'action, comment donner du sens à votre vie? Est-ce en contribuant au bien-être des autres? Ou en vous sentant libre de vos actions, en co-créant votre vie, ou en suivant votre intuition. Comment donnez-vous du sens à votre vie? Je vous invite à planifier une action remplissant votre besoin de sens. Pourquoi pas aider une personne que vous ne connaissez pas à porter, par exemple, ses courses, à ouvrir la porte d'un magasin, aider une personne
un peu plus âgé. Quelque chose qui vous tient à cœur, et passez à l'action, à votre juste mesure, n'est-ce pas? Et comme mantra pour aujourd'hui, je peux donner encore plus de sens à ma vie. Je peux donner encore plus de sens à ma vie. Je peux donner encore plus de sens à ma vie. Waouh, quel beau message, n'est-ce pas, pour terminer ce mois et terminer cette semaine avec mission de vie. Très bel oracle, n'est-ce pas? Je vais terminer avec l'oracle des amoureux et j'ai pigé. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Eh bien voilà, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Être sincère avec soi-même, d'où toute l'importance, n'est-ce pas? Eh bien voilà, on termine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un excellent week-end dans l'amour inconditionnel, dans la bienveillance, l'empathie. Prenez soin de vous, mais dans la douceur, n'est-ce pas? Prenez soin de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. C'est aussi important, hein? Vraiment. Et puis, ne soyez pas trop dur avec vous. On se retrouve pour des nouvelles capsules. Et d'ici là, eh bien, moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à très vite.